Nous sommes sur le floor de Wall Street en compagnie de Georges Hugeux, le président de Galileo Global Advisors à New York. Il est également l'auteur d'un blog financier et économique sur lemonde.fr. Georges, merci de répondre à nos questions. Avec plaisir, Alexandra. Nous allons parler avec vous de l'actualité économique en zone euro. Et pour l'Espagne, ça ne va pas. On a eu les chiffres de la croissance. L'Espagne est en récession. La note souveraine a été abaissée. L'Espagne va-t-elle avoir recours à l'aide européenne bientôt? Le niveau d'aide qu'il faudrait pour avoir une avancée significative sur l'Espagne atteint des niveaux tels qu'il est pratiquement inimaginable qu'on puisse la mobiliser. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de munitions, puisqu'il y a environ 300 ou 400 milliards qui sont prévus au niveau du Fonds européen, auxquels vont s'ajouter les 430 milliards du Fonds monétaire. Donc on a des munitions. Mais nous ne résoudrons pas le problème de l'Espagne et de l'Italie à coup de bail-out comme on l'a fait pour la Grèce. On n'en a pas les moyens. Alors quelle serait la solution? Je crois que l'Espagne est occupée à prendre des mesures difficiles. Je crois qu'elle a raison de le faire. Sa récession était parfaitement prévue. Elle était même prévue à des niveaux pires que ce qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est que l'inquiétude existante, on se trouve maintenant devant une hausse des taux d'intérêt qui fait que le refinancement de l'Espagne coûte 1% plus cher qu'il y a quelques semaines. Et ça, c'est un phénomène inquiétant. Ça serait donc, il faudrait arriver à faire baisser ces taux d'emprunt? Il faudrait traiter le problème de la dette de manière chirurgicale. Il faut, tant pour l'Italie que pour l'Espagne, revoir la courbe de la dette et essayer de l'étaler dans le temps à un taux d'intérêt stable. Parce que sinon, nous allons vers un scénario grec où chaque fois on disait ça va mieux et puis on prenait 1%, 1% et on a fini à 18 ou 20%. Est-ce que ça voudrait dire une intervention de la BCE? Ce n'est pas nécessairement au niveau de la BCE que ça doit se faire. Ça peut se faire au niveau simplement d'une négociation entre les banques et les pays concernés. Et ce ne sera pas nécessairement quelque chose de douloureux pour les banques. C'est important parce qu'on ne peut pas fragiliser les banques simplement pour aider les pays. Parlons maintenant de la France. En ligne de mire, les élections, bien entendu, dimanche prochain. Quel est, selon vous, le candidat qui a le projet le plus, pas ambitieux, mais le projet qui se tient le plus concernant la crise européenne? Mon problème n'est pas dans le contenu. Ils ont des nuances, mais fondamentalement, les politiques ne seront pas terriblement différentes. Le problème, c'est que M. Sarkozy explique ce qu'il va faire et qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. En plus, il est responsable d'une croissance de 55% de la dette française. Donc pour moi, le problème, c'est que M. Sarkozy ne réalise pas que son héritage est tellement négatif qu'il n'est plus crédible. Et il essaye désespérément d'être crédible. Alors, le choix, c'est entre quelqu'un qui n'est plus crédible et quelqu'un qui ne le sera peut-être pas, mais qui, pour le moment, l'est encore. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'on va aller dans cette direction-là. On ne peut plus croire à ce qui nous a été dit trop longtemps et qui n'a pas été fait. Alors, Nicolas Sarkozy a quand même joué un rôle clé dans la mise en place des nouveaux traités budgétaires pour la zone euro et la crise. C'est un de ses arguments. Vous pensez que ça ne marchera pas? Pourquoi a-t-il fallu 2 ans pour résoudre le problème grec? Pourquoi un problème de 50 milliards est devenu un problème de 300 milliards? Pourquoi l'inaction? Pourquoi des rhétoriques et des sommets? Nous avons eu cette conversation déjà à plusieurs reprises. Nous avons vu ce qu'il a finalement coûté pour essayer de sauver la Grèce. Et la Grèce n'est pas sauvée. Donc je crois que malheureusement, nous avons fait des tas de choses. Mais la chose que nous n'avons pas fait, c'est créer des pare-feux par rapport à la contagion. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la contagion espagnole et la contagion italienne qui emporterait la France et probablement l'ensemble du monde. Eh bien, écoutez, Georges Hugeux, sur cette conclusion assez lourde, je vous remercie. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de Galileo Global à New York.